Donc, question de Paul, quel est le meilleur cheval que tu as appelé? J'aurais une petite préférence pour l'amiral Moza. Karim, tu me demandes quels sont tes prochains objectifs et tes espoirs? Les prochains objectifs. En fait, on enchaîne les courses comme elles viennent. Pour le moment, l'avenir nous dira. Et les espoirs? Les espoirs laissés, normalement, j'ai une bonne génération. Ludovic qui nous dit que tu es un grand joueur de poker. Confirme ? Non, j'aime beaucoup le poker, mais en revanche, je suis une burne au poker. Romain qui nous demande tes espoirs dans l'essai, justement. Cobalt Château qui vient de courir, décevant au demeurant, mais à racheter. J'ai certainement fait de grosses erreurs. Et puis après, j'ai un Baccara Dupont et un gros grain qui s'annonce très très bien. Clément qui nous demande ton objectif. Est-ce que c'est juste d'être heureux avec ton équilibre professionnel et personnel et également te pencher sur la question de l'élevage? C'est une très bonne question. En revanche, il a complètement raison dans je suis heureux dans mon équilibre là tout de suite. C'est parfait. L'élevage, on verra un peu plus tard. Olivier qui nous demande pourquoi tu n'entraînes plus très cool du coup. Parce que j'ai pas le niveau. Un petit gars que tu connais un peu, Antoine Triolet, il nous demande si tu as une bonne équipe chez toi. Non, j'ai que des baltringues, mais je les adore. L'amiral Mosin à Oslo. L'Oslo Grand Prix, c'était fabuleux. Sandy qui nous demande Vénus des Douai, est-ce que tu as de grandes ambitions avec? Ouais. Bon, là, ces temps-ci, ça se passe pas bien. Elle a eu des petits ennuis de santé, mais bon, c'est un mal pour un bien. Reculer pour mieux sauter. Fréquence Turf qui nous demande que devient Avenir de Blais et quand va-t-il recourir? Il recourt le 15 août. Pas avec moi parce que je serai à pied. Mais non, ça s'engage très très bien. Le cheval, il est superbe. Il est dans un état de forme. Il est magnifique, le cheval, tout de suite, il est bien dans sa tête et j'espère que ça va bien se passer. Malik qui nous demande si tu as un futur très cool du coup dans tes box et ne sois pas trop chaud dans ta réponse. Non. Au 3 août, tes statistiques sont les suivantes. 42 victoires, 106 places pour 294 courses. Penses-tu atteindre les 100 au 31 décembre? C'était un but. Après, l'avenir nous dira si je l'atteins ou pas. Et on a Thomas qui nous demande comment ton frère est devenu pro, tu l'as poussé, tu l'as mis au défi, et quel regard tu portes sur lui? Ah non, absolument pas, c'est son propre choix. Et bien lui en a pris parce que il est omniprésent. Un Devenis Javanais, gentil cheval, 100 000 euros de gain. Il vient de gagner à Hoche. Il venait de gagner... À Genet, super cheval d'herbe. Qui s'adapte à tous les tracés? Non, c'est un vrai droitier. À gauche, il a un petit peu de mal. Il y a eu une période où il a bien tourné, il a gagné à Paris. Et là, tout de suite, il sera incapable de le refaire. À gauche, trop de difficultés. Là, il est prêt à faire un bel été? Ah ouais, sur le gazon, ça va être super. Le trophée vert? Il est trop juste? Non, il est trop juste l'année prochaine pour le trophée vert. Ça va être un vrai cheval d'été, donc... Là, on va le monter en gain gentiment, si ça se passe bien, il va reprendre 50 000 euros là. Et puis l'année prochaine, il va être pile poil pour... Après, je dis pas qu'il ait le niveau pour aller faire un trophée vert, mais il aura les gains pour ça, quoi. Bon, ça, il y a... Non.
Non. Waltes, non. On va pas la présenter. Akita Dry. C'est une très belle jument. Pas pratique pour dessous, mais bonne cam. Jusqu'à présent, elle a répondu à tes attentes? Non, non, parce que ça fait 3-4 fois, là, elle doit avoir 5-6 dailles même à son actif là dernièrement. Et, mais peut-être qu'on l'avait mal comprise, alors du coup on lui a fichu la paix. Là on va la remettre en route, c'est une 4 ans qui a à peine 15 000 euros de gain, elle va être déclassée d'une heure. Kazakh d'Azif, une 2 ans, qui a couru à Enghien, très très mal couru l'autre jour, fatiguée, mais ça c'est certainement parce que erreur d'entraînement. Dans l'essai, tu penses que c'est une de tes meilleures ou, Non, c'est pas une de mes meilleures, mais c'est une jument pratique tout de suite qui doit être qui est prête à employer et bon, on a fait des erreurs. À remettre, à revoir. Elle va recourir dans 10 jours, normalement elle devrait montrer un autre visage. Umea. Umea, 6 ans, elle est pas chargée en gain parce qu'elle a eu des ennuis de santé. Une jambe qui nous a lâché, donc du coup le temps de la remettre en route, tout ça, ça a pris du temps, beaucoup de temps même. Là, elle vient d'être quatrième. Elle a du mal à retrouver son niveau. Et puis, comme c'est quand même une jument montée, il va falloir qu'on remette la selle. Pour qu'elle, faut rattraper les gains, parce que sinon, dans peu de temps, on ne pourra plus courir. Et quand un cheval casse comme ça et que c'est un cheval monté, c'est quand même beaucoup plus contraignant qu'un cheval attelé? Bah gérer, ouais. En tout cas, peut-être, non? Ah, ce qu'il y a, c'est que après pour recourir à monter, il faut qu'il soit bien prêt. Et en général, ces chevaux-là, s'ils recassent, on les recasse à la préparation. Une fois qu'ils sont prêts, en général, normalement, ça ne rebouche plus. Mais bon, là, on va être obligé de recourir à monter, on verra bien ce que ça donne. Bélina, pas dénué de moyens, mais ingérable. Grosse comme un chat, je peux pas la tenir. Pointure parisienne? Un Shetland. Oh, non, non, parce que c'est une vraie droitière. Mais c'est une jument qui normalement doit être capable de gagner 100 fois à Cabourg, mais je peux pas la tenir. Je l'ai pas comprise. Ada Djiadem vient de faire sa course de rentrée. C'est une très bonne jument. À Enghien, j'ai peut-être été un petit peu offensif d'entrée de jeu. Ça va l'ouvrir. T'as des objectifs avec elle? Non, 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 on va prendre les courses comme elles viennent. Elle va à gauche, à droite. Et ça, c'est le gros de la maison, ça. Ultra Didou. Oui, t'as fait plaisir. Notre petit cob, oui. Ah ouais, c'est un super cheval. C'est un super cheval, il est adorable. Bon, seul inconvénient, c'est que c'est quand même un bien meilleur droitier que gaucher, donc... Pareil, ça va bien 2100 parce que comme c'est un hyperactif, dès qu'on le bouscule un petit peu, pour tourner à gauche, on est obligé de l'obliger un peu. Donc du coup, ça le met un peu en route. Alors 2100, il a gagné 2100 d'ailleurs à Vincennes. Il n'y a que sur cette distance qu'il est exploitable à Vincennes tout de suite. C'est un des chouchous de l'écurie? Ah ouais, parce que c'est le plus gentil cheval de la Terre. Il est adorable, il veut tout bien, c'est sympa comme tout. Volcan Biouette. Alors Volcan Biouette, c'est un très bon droitier. Un cheval qu'on a beaucoup beaucoup de mal à tenir en état. C'est dommage parce que c'est un chic cheval. Mais dans sa morphologie, on a beaucoup de mal à l'avoir bien rond. Ressemble plus à un tréteau que. Puis avec ça, l'été, il a de la gratte, donc il n'est pas dans sa robe de mariée. Cobalt Château, lui a couru l'autre jour à Enghien. Alors pareil, hein, l'essai, j'ai fait une petite erreur avec les 3C qu'on courut. Un peu trop travaillé dans la semaine, du coup ils étaient un peu complètement émoussés, quoi, sans vie. Mais sinon, chic cheval.
Lui, tu penses qu'il va gagner à Paris? Ah ouais, c'est pointure parisienne, ça, c'est sûr et certain. Faut juste que je trouve le bon équilibre et dans l'entraînement, qu'il soit pas sauvage, pas trop dynamisé et avec la bonne dose de travail, sans plus. Ça, c'est Caballero Blue. C'est un tout petit cheval aussi, c'est un password qu'on vient de qualifier, qui va bien travailler. Velos Dream. Alors lui aussi, c'est un chic cheval. Il est très élégant avec ça. Et puis c'est un cheval facile. Il a 60 000 euros de gain là. Et il n'a pas couru beaucoup parce qu'il a toujours des petits ennuis de santé. Il a du mal à se souder. Il n'est pas brillant. C'est quoi sa principale qualité? Pratique. Il va très très vite. Et en revanche, il faut gérer son effort pour ne pas brûler les cartouches. Coyote-Cléville, pareil, il a couru le 6e l'autre jour à Rennes, mais pareil, on l'a travaillé trop dans la semaine, fatigué. Fatigué. À revoir. Mais c'est pareil, ça va faire un bon poney. À venir. Ah là, tu ouvres la porte. Ouais. Ouais, celui-là, d'abord parce qu'il a un physique splendide. Et que c'est bientôt qu'on retourne aux courses, hein, Loulou. Bon, alors lui, tu fondais vraiment des gros espoirs. Hein, ah ouais, c'est bon, un super cheval. Pour dégagner la course. Hein. Ouais, et puis je sais pas ce qui s'est passé. Il s'est pas bien élancé. Jean-Mi est revenu en pleine, pourtant ils allaient pas vite. Alors Jean-Mi est venu les couvrir. Il a fini rincé mort. Bizarre. Et puis après il a couru le critérium, il m'a fait la faute, il s'est jeté. Et puis le cheval après, fou furieux. Qu'est-ce qui s'est passé? On sait pas, mais il nous l'avait déjà fait, hein, parce que celui-là, quand on l'avait qualifié, là on en tient un bon. Je mets le cheval au repos, je le reprends. Impossible de le mettre au trot. Hors d'allure. On ne sait pas ce qui s'est passé. Hors d'allure. Il pouvait pas aller plus vite que le petit trot de promenade. Alors on l'a repris à zéro, on a fait 2 mois de boxe, 2 mois de champ, et puis 2 mois de jog, et puis remis à travailler. Et hop, c'était reparti. Et là, il nous a refait la même chose après le critérium. Hors d'allure. Impossible de le mettre au trot. On a refait pareil et là le cheval il splendide. Et au boulot? Super. Ah ouais, parfait. Tout de suite, nickel. Nickel. C'est quoi tes objectifs? Bien dans sa tête, bah, c'est lui qui va nous dire. Là, on va prendre les courses gentiment comme elles vont venir. Et c'est un cheval qu'on va préparer pour ce meeting d'hiver. Après, c'est lui qui nous dira ce qu'on fait. Volcan Pilla. Alors ça c'est pareil, c'est un V qui a couru 13 fois je crois, il a 50 000 euros de gain. C'est un gros machin, grand cocktail, qui n'a jamais fini de souder. Alors on l'attend, on l'arrête régulièrement, il court 2 fois bien, la 3e fois et ça commence à se déglinguer, une 4e fois. C'est un casse-tête chinois pour toi? Ah ouais, lui c'est un casse-tête chinois, ouais, complètement, parce que il a de la classe, il a du... hier, il est 3e à Hoche, il a fallu que je le corrige en permanence, j'étais pas très très mal assis derrière. Il avait besoin de moi pour rester au trot. Enfin, pour être propre d'allure. Et Bandit du Sam, un Oyonnax. Un B qui a passé une sale période là ces derniers temps. Et puis là, ça a l'air de revenir. Il n'a toujours pas débuté parce que, en plus, c'est un gros cheval. Je peux pas le débuter n'importe comment. Mais normalement, c'est un cheval qui a un super potentiel. Mais comme avec les B, ça se passe pas trop bien, bah voilà, ça s'enchaîne.